Bonjour à tous et bienvenue dans la benne Gaming Zone pour ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Grimgore boîte en fer et on va tout de suite s'attaquer à cette bataille. Voilà. Pourquoi il y a deux jaunes comme ça? Je vais avoir des renforts, c'est ça? Je ne sais pas. Je sais pas, on verra bien. On va essayer de pas perdre notre catapulte à plongeur de la mort. Ça serait très bien. Par contre, c'est une bataille un petit peu retranchée. Ça risque d'être compliqué pour nos cavaleries. On va voir comment ça va se passer. Et eux, ils vont avoir des renforts. Le corps aérien du pic éternel. Cette unité de... D'accord, donc il faut qu'on garde des flèches. Il faut qu'on prévoie de garder quelques flèches pour ces trucs-là. The Stuntleys come to stop us. Time for a rock, I say. I'm gonna enjoy pulling these beers from their chins. First though. We need to break their big guns. That's just cheating. I want some boys on that straight away. Stop their artillery from shooting, and we get more time scrapping. Just as Morg likes it. What you know, just because they're short, don't mean one or two of them ain't handy with their own troubles. They like fighting underground, but so do we. Ask any rat man under Mount Red Eye. Right, boys, that's the plan. Immortals, get your choppers out. This one's gonna be fun! Ok, ça veut dire que j'ai le droit de disposer des troupes dans leur dos. Mais c'est carrément fun ça. Mais c'est carrément fun ça. Du coup... Bah toi... On va te reculer un tout petit chou. Voilà. Toi, bah... Alors, ok, nos archers. On va faire ici. Une belle ligne de boy. Voilà, avec Grimgore au milieu. Les aiguillards, on va leur mettre dans le cul. Pour qu'ils aillent zigouiller la catapulte. Voilà. Et les caves, je vais pas les mettre. Je peux peut-être les mettre derrière. Eux aussi. Goblins. Voilà qui est pas mal. Bon, ça va nous faire deux fronts, hein, mais... Et eux, ils vont rester avec la catapulte pour la protéger, si jamais. Voilà, de toute façon, ils serviront pas à grand chose d'autre, je pense. Voilà. Du coup, nos archers qu'on va placer juste derrière, et eux qu'on va placer... juste derrière aussi, comme ça, en contournement. Hein. Et du coup, c'est parti. Voilà. Donc, on va prendre tous ces gens-là.
Voilà, et puis on va les déplacer. Voilà. Notre catapulte, on va lui dire, bah toi tu vas déglinguer. Bah, ces gars-là, tiens. Voilà. Et c'est parti. On fonce dessus. Allez les gars, on y va! Faiblissez pas, faut tous les tuer! Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est passé. C'est quoi ça déjà? Ah non, c'est sur le général adverse. Sur le personnage adverse. Voilà. Allez, massacrez-moi tout ça. Non mais les archers, enculé, qu'est-ce que vous faites là? C'était pas le contact, bande de blaireaux. Il est où leur... voilà, toi tu le poursuis. Voilà, j'ai un petit coup de wag les gars, ça lui fera pas de mal. Voilà, allez, les archers. Et les autres, hein, bah oui, hein, vous les poursuivez. Et la catapulte tire là-dedans. Voilà, nos archers. Canardez ça. Voilà, vous. Voilà, vous, restez en mouvement. Voilà, restez en mouvement. Pendant que les archers font le taf. Voilà, je crois qu'on en a déjà déglagué. Hein. Voilà, déglinguez-moi cela maintenant. Voilà, tirez fort et vous, cassez-vous! Voilà. C'était pour ça que c'était important de garder des flèches, parce que ces salopes là, sinon ils vous déglinguent. Et si vous n'avez rien pour les neutraliser, bah ils vous défoncent des unités à tir l'arrivée. Voilà. Eh bien, c'est fait. C'est une bataille terminée, et finalement j'ai même pas eu autant de pertes que ce que j'aurais pensé avoir.
Du coup, c'est fait. Voilà, hein, les zigouillards ont pas grande utilité à part ça, hein, attaquer dans le dos et puis puisque si vous les faites attaquer de face, ils se font massacrer. Hein. Là, vous voyez, hein, ils ont attaqué de dos, ils ont quasiment rien pris en dommages et ils ont fait 59 morts, quoi. Donc, c'est vraiment une unité efficace, mais il faut surtout pas qu'elle soit. Faut vraiment qu'elle attaque de dos. Et dès que vous voyez qu'ils commencent à se retourner sur eux, hop, vous les faites partir pour qu'ils se retournent à nouveau sur l'unité. Mais c'est vraiment une unité, voilà, quoi, qui s'utilise pour le contournement et attaquer de dos. Et des unités faibles, hein, si possible des archers ou des arbalétriers ou ce genre de trucs. Hein. Voilà, et puis je pense que ça va commencer à valoir la peine de réfléchir à peut-être faire une deuxième armée. On va regarder combien nous coûte l'armée de Grimgor. Surtout une fois qu'elle sera full orque noir. Elle risque de nous coûter un peu cher. Du coup, bah oui, 150 pertes. Vraiment pas grand-chose. Après, on était vraiment archi en surnombre. Hein, on était presque trois fois plus. Ça ne pouvait que bien se passer en même temps. Et finalement, hein, on a quelques bonnes unités. Hein. Les orques costauds, c'est quand même pas dégueu. Hein. C'est pas les meilleures unités hein, du jeu du tout. Mais pour de l'orque, c'est pas mal. Du coup, justement, d'où l'intérêt, on va peut-être pas les virer. On va peut-être. En plus, ils commencent à avoir de l'XP. Donc, on va peut-être les transférer dans une autre armée. Donc, quête terminée. Oui, renforçons nos unités, ma foi. Ça sera pas mal. Voilà, donc on a gagné un disciple. Quête réussie. Voilà, et du coup, on a récupéré l'armure du bienheureux. Let's go. On prend un niveau en plus, ce qui va nous permettre de prendre dur comme le fer et juste après l'attaque éclair. Voilà. Et dans les détails, donc du coup, l'armure du bienheureux, puissance des armes, plus 18. Voilà. Et donc, comme j'avais dit, hein, je pense qu'on va recruter un petit gars. Du coup. Ah bah oui! Ah bah oui, pour le coup. Ah, à moins qu'on fasse ça. Ouais, non. La Ragnarok, c'est trop de la balle. C'est trop de la balle, on veut trop une Ragnarok. Du coup. Du coup, réfléchissons peu, mais réfléchissons bien. Est-ce qu'on veut protéger ça? Oui. Mais est-ce qu'on veut pas déjà recruter... Euh...
un de ces types, rapide, vitesse plus 20, perspicace, chance de trouver des objets, champ de vision de campagne, ça c'est bien. Toi tu viens là, toi tu viens là, voilà. Toi pour l'instant, bah tu recrutes rien. On attend. Et on va lui refiler toutes ces troupes là. Oh, elles sont pas si expérimentées que ça en fait. Hein. Juste un peu d'XP, bon bah. Mais bon, on va les récupérer quand même, comme en plus il y en a une qui a des trucs renforcés et tout. Ça sera pas mal. Et on est placé donc. Toi, bah toi tu vas revenir du coup vers notre territoire. C'est-à-dire que bah tu vas. Je suis où là? Oui, tu vas venir là. Ouais. Et du coup. Ah bah j'ai récupéré un chaman. Ah bah voilà. Eh bah allez. Va mon garçon. Va mon petit gobos. Voilà, comme ça, lui, ça sera juste une armée de renfort, pas nécessairement une armée terrible, hein. De l'archer, du costaud, qu'on va récupérer dans cette armée-là, d'ailleurs. Et puis voilà. Hein. Mais, histoire d'avoir quand même bien une autre armée. Hein. Quête émise. Implanter un héros grand chef gobelin dans l'armée du seigneur suivant. D'accord. Un seigneur quoi? Un quoi? Implanter un quoi? Un grand chef gobos, c'était ça? Grand chef gobelin. Ah bah j'en ai un qui revient, bah c'est bah voilà. Bah voilà. Voilà, on va pas recruter un, de toute façon je peux. De toute façon je peux. Bon. C'est pas comme si je pouvais. Voilà, donc ici, on avait dit, on file tous ces gars-là à ce gars-là. Voilà. Ce petit gars-là, il va venir là. Voilà. Et du coup, toi, tu peux pas te... Non, bah, tu vas rester là, et puis toi, tu vas rester là aussi. Et toi, donc, pour l'instant, on peut toujours pas, on pourra dans 2 tours. Ok. Ok, ok. Donc, du coup, bah, 1 tour. Alliance militaire négociée. Guerre déclarée. Guerre Cadrine contre la Sylvanie. Ce qui serait bien, c'est qu'ils entraînent les nains dans leur sillage dans cette guerre. Contre les comtes vampires. Ça nous arrangerait bien. Ah, donc nous, on va rester là gentiment. Let's go. Voire même se mettre en embuscade histoire de leur faire croire qu'on n'est pas là. Voilà. Au pic noir. Ah ouais, l'idole. Ça, du coup, ça urge plus. On l'aura dans 1 tour. Là j'hésite vraiment entre... Ouais, je pense qu'on va faire ça.
Je pense qu'on va faire ça. Ici, on attend pour pouvoir recruter. Ouais, mais il est toujours vivant, lui. Oh ! C'est qui, ceux-là ? Rebelles des principautés frontalières, d'accord. On a une nouvelle faction qui s'est installée dans le coin. C'est fun. C'est fun, c'est fun. Du coup, on n'a pas grand chose à faire, hein. What yous wish to discuss with Scarsnake, hey? Good plan. Lots of plans. Let God talk. All right, you got my attention. Mox told me to listen, so talk. You go on then, spit it out. But it better be all right. Voilà, et du coup, bah oui, fin de tour. Ah, donc lui... Ah, Magritta appartiendrait au clan Skrir. C'est possible, hein. C'est très 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 possible. Vous vous demandez pour quand je garde ma wag. Hein. J'attends que les nains m'attaquent. Puisque je sais qu'ils vont pas tarder. Donc toi... Bah, tu reviens ici. Voilà. Et nous... On va gentiment commencer à recruter ces gars-là. J'avoue que j'hésite un peu. Est-ce que j'attendrai pas Ah bah de toute façon, on va rester à 19 en fait. Puisqu'il faut que j'intègre machin. Donc il va falloir qu'on vire une unité sinon. Donc ça craint un peu des genoux. Et donc bah, on va faire ça. Voilà. Lui on verra plus tard. Pour le moment, si on lui recrute des trucs, de toute façon ça sera du tireur, genre du tireur de merde. Voilà, d'ailleurs... attaquant empoisonné remplaçable. Remplaçable, faible contre les armures. Ah, ils ont autant de dégâts, sauf que eux, en plus ils font du dégât empoisonné. Donc... non, non, on va pas les recruter tout de suite, mais par contre ce qu'on va peut-être faire c'est... Bah, remplacer ces 4 là par 4 comme ça. Parce que eux... eux, le problème, c'est que ils ont un peu plus de dégâts, un peu plus de distance de tir. Mais ils font pas de dégâts empoisonnés. Et surtout, ils ont une précision, mais totalement à chier en fait.
Si bien qu'au final, ceux-là sont peut-être un peu meilleurs. Donc ouais, du coup, on remplacera peut-être ces quatre-là qu'on foutra dans cette armée-là et on les remplacera par les autres. Je pense que c'est pas mal comme idée. Ici, donc, oui, de toute façon, la Ragnarok, ça sera pas avant le niveau. Ah bah, ça sera dans un tour, la Ragnarok. Ah, mais voilà, mais oui. Mais oui, mais totalement. Mais totalement, mais qu'est-ce qui va s'en aller du coup? On va virer un ancien. Hein. On virera un ancien. Hein. On peut même le virer maintenant, de toute façon. Ready for murder. Ou alors. This is my land. Start the war. Ou alors, on le vire pas, on fait que le transférer ici. Voilà. What you want? On fait toujours Now's une unité en moins à recruter. Et au prochain tour, j'aurais presque pu lui passer les archers avec, en fait. You mock. Voilà, comme ça au prochain tour, on recrute nos archers et notre Arachnarok. Si, oui, si, c'est bon. Let's go. Voilà, et lui, du coup, il se retrouve avec une armée quasi full. Gratos. Voilà. C'est bien ça. Non? Non, moi ça me semble pas mal. Moi, ça me semble pas mal. Allez, on peut finir ce tour, du coup. Non, voilà. Voilà, fais pas n'importe quoi, mon Ben. Ah, tiens, des vampires. Faction détruite. Confédération, d'accord. Donc il l'a affronté et il l'a confédéré. C'est ce qu'on va faire avec lui, je pense. Dès que je vais le voir dans un coin avec une armée un peu éclatée, je vais lui tomber dessus et bim. Technologie recherchée. Voilà, donc on a une nouvelle techno à rechercher. Voilà. Et donc ici, on avait dit, on recrute une Arachnarok et quatre de ces gars-là. Voilà. Ici, lui, du coup, pour le moment. Pour le moment, il bouge pas. Par contre, du coup, on servira peut-être de lui pour aller choper les nains dans le dos. De me dire le gars pourrait l'envoyer par là. Il y a quoi ici? 7, 8. Bon, ici c'est un peu plus gros. Il faudra qu'on assiège. Ici 6, ici 7, ici 8. Donc c'est pas catastrophique. Ici il a une armée avec juste du guerrier nain. Bon, c'est costaud, mais on devrait s'en tirer. Du coup, je pense que ouais, on va faire ça. En plus, de toute façon, il pourra recruter à Caradron, c'est ça fait partie de la même province. Donc c'est pas mal. Allez, on continue. Et là, on est en train de préparer la guerre contre les nains. Là, ça veut dire que quand on va leur entrer dedans, il faut qu'on fasse vite et fort. Faut qu'on frappe vite et fort. Ouais, c'est pour ça que j'attendais pour déclencher ma wag. Je ne veux pas déclencher ma wag à n'importe quel moment. À un moment stupide. À un moment où faction rencontrée tirée, faction rencontrée les boucaniers, et ça y est, et ce truc qui. Voilà, tais-toi.
Tais-toi, tais-toi. Machin de malheur. Ostensiblement fou ce truc. Ouais, peut-être que si je fais ça, il sonnera pas. Je ne sais pas. Oui, donc toi tu viens. Oui, toi tu viens ici, toi. Toi tu te mines même, tu viens ici. En fait, tu viens même ici. Voilà. Toi, encore deux tours et on aura notre Arachnarok. Donc, toi, tu vas aller à Caragdron. Voilà. Bon, il y a beaucoup d'armes dans ce coin-là, quand même. Gulk, send me to battle. Voilà, combien il a de territoire? I thought I smelt urks. 6. Ouais, c'est ça, 6. Ok. Gulk's fist. Voilà, donc eh ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous connaissez le refrain. N'hésitez pas à liker, partager les vidéos, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à me laisser vos petits conseils et commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve dès demain pour la suite de nos aventures avec Grimgor. Allez, des bisous, à demain.